Bonjour les fines bouches. Dans cette vidéo, on va fabriquer une sauce charcutière. De quoi avons-nous besoin pour fabriquer cette sauce? Nous avons besoin d'échalotes que j'ai préalablement ciselées. Nous avons besoin de cornichons, un peu de beurre, du vin blanc, du fond de veau, sel, poivre et de la moutarde. Je mets une jolie petite noisette de beurre d'une quinzaine de grammes dans ma casserole. Dès lors que l'on met du beurre dans une casserole, on y ajoute toujours un tout petit peu d'huile pour éviter que le beurre brûle et devienne noir. Je mets à revenir mes échalotes. Voilà, on voit, ça commence à mijoter un peu. On va laisser quelques minutes. Ce qu'on appelle faire suer les échalotes. Elles sont bien revenues, elles ont laissé un petit suc se dégager sur la casserole. Et on va aller récupérer ces sucs en procédant à ce qu'on appelle un déglaçage. Donc, je prends mon verre de vin au-dessus. Et là, ça déglace. Vous avez entendu le pchit? C'est ce qui fait qu'on récupère tous les sucs. On laisse bouillir un peu. Vous voyez, il y a une émulsion qui se produit. Le vin blanc qui réduit, qui éclate les petites échalotes qui étaient grillées avec les sucs. On va donc en profiter pour ajouter le fond de veau. Et là, il y a deux options, il y a des choix. Certains le tomate, d'autres pas. Moi, je ne cache pas que la sauce charcutière, pour moi, c'est une sauce qui est légèrement tomatée. Donc, je mets une cuillère, petite cuillère, de concentré de tomate, que je vais fouetter pour mélanger un peu. Ça lui donnera d'abord un petit aspect rosâtre, qui n'est pas désagréable, et puis un goût tomaté, un petit peu de sel, pas beaucoup parce que ça va réduire, il vaut mieux en rajouter un peu après, mais c'est quand même toujours bien de saler un peu en début, du poivre. On remélange un petit coup, et on va laisser réduire une dizaine de minutes. Pendant ces 10 minutes de réduction, on va en profiter pour faire deux choses essentielles. La première, prendre les cornichons et les tailler en julienne. Ma julienne est taillée. Maintenant, je vais au plan de cuisson. J'ai allumé. Je vais mettre à cuire mes côtes de porc, puisque dans 90% des cas, la sauce charcutière se mange avec des côtes de porc. Très important, vous prenez la côte de porc avec l'os. Ça diffuse du goût, c'est beaucoup plus goûtu quand ça cuit avec l'os. Voilà, maintenant quelques minutes de patience, le temps que tout ça se mette en place. A tout de suite. La sauce est bien réduite. Regardez, merveilleuse texture. Maintenant, on coupe le feu, c'est terminé. Et on va additionner les derniers éléments qui font que c'est une charcutière. On va commencer par les cornichons qui sont taillés en julienne, qu'on va mettre dedans. Hors feu, j'ai bien précisé, parce que sinon, ils ne vont pas supporter la cuisson. Et immédiatement, on va, pour la corser et la lier, mettre de la moutarde, approximativement 30 grammes. On prend tout ça, on le mélange bien. Ma sauce est prête. Maintenant, une petite côte de porc cuite dans l'os, du riz, et on nappe avec la sauce de façon à essayer de la recouvrir. On conclut avec un petit peu de persil.
et avec le reste de la sauce, on vient la mettre dans la saucière pour que les invités puissent se resservir si des fois c'était bon. Et quelque chose me dit que ça va se resservir. Voilà, une belle sauce charcutière. Maintenant, on va se régaler. À vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?